La Rock School Barbet existe depuis 1988, puisque je suis arrivé sur ce lieu en mars 88 pour rencontrer la directrice des centres d'animation du quartier de la ville de Bordeaux et lui proposer surtout un projet que j'avais qui tournait autour de la mise en place de concerts et de la mise en place de quelque chose qui n'existait pas, à savoir de la formation artistique calquée sur l'état d'esprit de nos pratiques. Donc en mai 88, on organisait notre premier concert. C'était Ludwig von 88, c'était l'année des 88 en fait. Et en septembre 88, on lançait la première saison de la Rock School. Voilà. Cette histoire donc a reposé sur vraiment les deux piliers qui sont d'un côté la diffusion, parce que on n'envisagerait pas un lieu comme celui-là sans diffusion, comme on n'envisagerait pas un musée sans expo. Ceci dit, pour moi, ce qui compte le plus, c'est le fond, quoi. Et le fond, c'est tout ce qui se développe autour de la Rock School, que ce soit en termes de soutien à la création, de formation artistique, et tout ce qu'on a pu développer comme action en maison d'arrêt, avec le bus rock, dans le cadre du carnaval des deux rives, enfin, dans toutes les actions qu'on peut mener. Et l'idée, je crois, qui présidait à ça, c'est, je crois qu'il y en a deux fondamentales. Il y en a une qui était, dès qu'on a commencé à faire des choses à Sauveterre, c'était s'inscrire dans la sphère publique. On n'est pas, nos pratiques sont légitimes au même titre que la pratique du football et elles n'ont pas à être marginales, underground, cachées. Elles ont à être dans la sphère publique et elles ont à être aidées par la sphère publique. Donc ça, c'était vraiment une volonté très forte. Et puis le côté vraiment Rock School, alors l'idée de créer quelque chose qui tienne de la transmission et pas de l'enseignement. Eric a eu ce rôle de médiateur au cœur des préoccupations des politiques et au cœur des demandes que pouvait avoir la population. Et c'est d'autant plus important qu'il faut arriver à percevoir et identifier quels sont les besoins. Le besoin en matière de pratique musicale, il est là et il sera toujours là, même si aujourd'hui il s'exprime différemment. Et c'est un peu ce concept que défendent les acteurs des musiques actuelles, c'est d'avoir un lieu qui soit au croisement des pratiques amateurs et des pratiques commerciales de l'autre. Et d'avoir un lieu qui permette l'émergence, qui permette les pratiques, qui permette que se rencontre le public. Et c'est ça qui est intéressant si moi je raisonne en termes d'action publique. Nous sommes issus d'un village, l'Entre-deux-Mers, Sauveterre-de-Guyenne, dans lequel nous étions une bande de copains, évidemment, qui voulions faire de la musique, faire du rock, et qui étions aussi très politisés. Nous avons, dans notre bourgade de 2000 habitants, institutionnalisé le passage de groupes punk alternatifs de ce qui se faisait de mieux en France. Voilà, ça n'a pas été une mince affaire. Donc ça s'est passé de la façon suivante, hein, discussion avec une bande d'amis, Eric, le grand, Bruno, le frère d'Eric, Max, un ami, et nous avons décidé d'organiser le premier concert fin 79, début 80, sur nos deniers. Pendant quelques années, on a organisé des concerts dans notre village, par période, avec des groupes quand même assez connus à l'époque dans notre milieu. Nous sommes tous après, par des biais professionnels, arrivés sur Bordeaux. Et là, nous nous sommes retrouvés dans ce magnifique lieu ici, Théâtre Barbet, un théâtre qui était vraiment un théâtre, qui était vraiment dédié à la production scénique théâtrale, et dans lequel il ne se passait pas grand-chose, si ce n'est, je crois, des répétitions, des choses comme ça. Il n'y avait pas vraiment une activité de public. Pendant quelques années, nous faisions les concerts ici et nous transformions le théâtre une à deux fois par semaine, voire parfois plus, en salle de spectacle. Alors, c'était venir ici, démonter les 800 ou 1000 sièges qu'il y avait chaque soir, les mettre dans la cour et les remonter après. C'était un travail, donc il faut y croire. Hein.
c'est un travail, voilà, un travail de fourmi, un travail de petite main. Et voilà, et ça a suivi son chemin jusqu'au jour où on a pu passer une convention avec la ville de Bordeaux qui a mis ce théâtre à notre disposition pour dédier cette salle vraiment à la musique amplifiée. Sing out a song, boy.